Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, unboxing. Et oui, voilà, 2021, les unboxings redémarrent. Bon, je ne l'ai pas reçu en 2021, je l'ai reçu en 2020, le dernier jour, voilà. Mais comme c'était le réveillon, voilà, j'ai pas pu vous faire la vidéo avant. Voilà. Donc j'ai été contactée par cette boutique. Alors la boutique s'appelle Urbestil. Voilà. J'espère que je prononce bien. J'ai été contactée le 14 décembre. Et donc j'ai reçu une quinzaine de jours donc, après le colis. Donc on est toujours dans des délais raisonnables. Donc voilà le colis. J'ai pu choisir ce que je voulais. Bon, ils m'ont quand même orienté un petit peu vers un modèle, mais bon, vers des modèles qu'ils voulaient quand même que je présente. Mais ça va, c'était des modèles que j'aimais. Les Kokeshi, voilà. Donc, il n'y a pas de souci. J'ai pu choisir celle que je voulais et j'ai pu choisir un autre modèle également. Et j'ai choisi également un objet qui sert pour le diamond painting. Voilà. Donc, je vais vous présenter tout ceci. Alors, on va commencer. Alors, 1, 2, voilà. 3, et l'objet... Alors, l'objet, je vous sortirai après, sinon vous allez le voir tout de suite. C'est pas la peine. Mais bien, vous savez que j'aime bien faire des surprises. Alors, mon petit... Voilà, pour moi ouvrir, parce que j'ai pas tout ouvert encore. Alors, le premier. Donc, toujours emballé dans les enveloppes bulles. Hein. Donc, c'est un 30-40. Donc, le petit kit. Alors, je vais vous montrer. Vous savez que c'est hier. Oui, hier. J'ai trié... Enfin, j'ai commencé à ranger mon atelier. Une boîte de céréales, voilà, que j'ai fermée. Et dedans... j'ai mis tous les kits comme ça que je ne me servais pas. Donc, vous voyez, elle est pleine à craquer. Je l'ai fermée avec du scotch. Parce que j'en avais marre de les voir là. Puisque j'avais tout mis là dans mon trieur que j'avais fait moi-même. Ça faisait sale. Je trouvais, il y en avait partout. Donc, j'ai tout mis ça dans une boîte de céréales. Je l'ai scotché. Bon, et maintenant, en voilà de nouveau. Donc, je remettrai ça dans une boîte de céréales. Revenons à nos moutons. Alors, ici, ce sont des perles rondes qui sont maintenant mes préférées. Alors. Du bruit, du bruit, du bruit. Alors, je vais vous montrer les couleurs. Alors, il y a combien de couleurs? Je ne vous ai pas dit. 20 couleurs. Voilà. Un vieux rose marron, on va dire. Voilà. Il y a de jolies couleurs. Hein.
beaucoup de roses. Beaucoup, beaucoup de roses dans toutes les teintes. Ça, c'est... Non, c'est même pas du noir. Il n'y a pas de noir. Voilà. C'est beaucoup de roses. On va essayer de remettre ça bien. Donc de jolies couleurs pour celui-ci. Hop, voilà. Niveau toile, bon, il n'y a pas, elle est belle derrière, hein, donc il n'y a pas l'air d'y avoir de rivière, voilà, pardon, et je disais, il y a beaucoup de roses parce que c'est une kokeshi rose, voilà, toute mignonne. Donc, je vous mettrai, comme d'habitude, à la fin, les photos, à la fin ou entre deux, les photos des kokeshi, enfin des kits, comme je fais d'habitude. Hein. Voilà. Elle est toute mignonne. Donc, même ses cheveux sont roses, enfin roses ou beige, je ne sais plus. Voilà. J'aimais beaucoup. Donc, je commence à avoir quelques kokeshi, j'aime bien. Voilà, le premier kit. Le deuxième, alors celui-là, je ne l'avais pas ouvert à l'avance, donc je vais l'ouvrir en faisant bien attention. Parce que quand je l'ouvre avec un ciseau, ça va, mais quand je l'ouvre avec mon scalpel, je peux être dangereuse. Oh. Bon, ben, on a déjà bien attaqué la... La nouvelle année, on est déjà le 3. Hein. Ça passe vite. Alors, vous allez manger la galette aujourd'hui. Alors, en sachant que aujourd'hui, on va manger la galette, mais ce n'est pas le vrai jour de l'épiphanie. Hein. L'épiphanie, c'est mercredi. Donc, c'est pour ça que le petit concours... que j'ai fait là avec la revue et mes cartes d'anniversaire, c'est mercredi hein, le tirage au sort, n'oubliez pas. Alors le petit kit, donc toujours 30-40, 20 couleurs, toujours en perles rondes. Que j'avais une de mes abonnées qui m'avait noté qu'elle pensait que c'était aujourd'hui le tirage au sort, mais non, le tirage au sort ce sera mercredi le 6, donc le jour de l'épiphanie. Alors, ah, il y a un petit peu de noir, très peu. Très très peu, voilà. Alors, gris, ça c'est du bleu marine. Donc, on entend du rose, mais là on a un peu de toutes les couleurs. Hein. Là on a du rose, du bleu, pardon. J'ai un petit chat dans la gorge. Miaou. Qui aurait une souris pour faire sortir le chat? Voilà. Et un gros paquet de... C'est pas vraiment le blanc. C'est un genre de... C'est blanc cassé plutôt.
même blanc légèrement rosé. Voilà. Allez, on va remettre tout ça. Dans le petit paquet. Voilà. Et maintenant, bien sûr, comme d'habitude, ça va nickel. Et voilà, donc la Kokeshi. Donc là, elle a des cheveux blancs. Et donc, le noir va servir juste pour les yeux. Vous voyez? Donc, ça va. Elle est jolie aussi. De toute façon, si je l'ai choisie, c'est parce qu'elle est jolie. Hein. Je ne vais pas choisir des trucs moches. Donc voilà. Le dernier kit. Lui était emballé dans un sachet transparent, ce qui était un peu plus grand. Donc c'est un 40-40, donc c'est un carré. Donc je vous laisse deviner, hein, c'est mon amour de dessin animé, donc le petit kit en perles rondes. J'avais pas fait attention, je vais m'amuser avec le fond. Youpi. Mais bon, ça va, c'est des perles rondes, ça ira mieux. Alors, il y a combien de couleurs? 21. Alors, le fond. Voilà. Voilà. Un noir, deux noirs. Bon. Voilà, pareil, de jolies couleurs aussi. Hein. Pas mal de perles. Hein. Non, le rouge. Le beige rosé aussi. Ça, c'est un... On dirait un noir, mais c'en est pas un, mais je sais pas ce que c'est. 17. Non, c'est pas un noir. Je sais pas. Comme ça, ça doit être un marron très, très foncé. Et voilà le dernier. Ah, les pompiers. Je sais pas, depuis le réveillon, j'entends beaucoup de pompiers, de SAMU passer. Ouais. Le jour du réveillon à 7h déjà. Pompiers, SAMU, police. Et oh là, il y en a, ils ont bien commencé.
Allez, rentre dans ta petite pochette. Voilà. Voilà. Donc, niveau extérieur, ça va. Hein? Bon, un petit coup de fer, hein, comme d'habitude, là, parce que c'est un peu plissé. Mais ça, c'est pas grave. Hein. Donc, pour celles qui n'ont pas encore vu, le petit coup de fer sur votre table à repasser, votre fer, même sur coton, il n'y a pas de problème. Mais une serviette éponge. Donc, vous mettez votre kit sur, comme ça. Hein, le dessin sur votre table à repasser, vous repassez sur l'envers, donc de ce côté-là, vous mettez votre serviette éponge, même sur coton, hein, même avec un peu de vapeur, il n'y a pas, mais vous y allez vite hein, quand même, hein, quand vous mettez un peu de vapeur, et votre toile va être plate, voilà. Et n'y allez pas comme ça, hein. Vous passez vite hein, quand même. Donc, je vous disais, mon amour de dessin animé, là. Hein? Voilà, Betty Boop. Donc, j'en avais déjà fait une. Hein? Alors là, je disais, oui, j'ai pas fait gaffe sur le fond. Vous savez que je n'aime pas les grands fonds, mais bon, j'ai pas fait gaffe. J'ai vu Betty Boop, Love, j'ai tombé en amour. Le fond est blanc, tout blanc. Bon, mais comme c'est des perles rondes, ça va aller. Donc, voilà. Elle est toute belle, ma Betty. J'aime beaucoup. Bon, j'aime un peu moins le fond, mais ça ira. Voilà pour les kits. Hop, voilà. Alors, l'objet. Bon, quand j'ai ouvert, j'ai déballé, j'ai carrément craqué le sac, comme on dit. Donc, je jette déjà le plastique. Alors, je voulais voir ce que c'était, enfin, ce que c'était, je sais ce que c'est, mais ce que ça faisait, c'est les petites valisettes, comme ça, avec les boîtes Tic Tac. Voilà. Donc, on a déjà une feuille avec les petites étiquettes, comme ça, pour marquer les références. Alors, j'ai 64 boîtes dedans. Voilà. Et donc, vous avez 64 boîtes comme ça. Alors, à la base, je l'ai choisi pour... pas pour m'en servir avec un kit. À la base, je voulais... Je pensais que c'était un peu plus grand. Je voulais m'en servir pour faire mes réserves de perles. Donc, je vais certainement m'en servir pour faire ma réserve de perles. Mais je pensais que les boîtes étaient un peu plus grandes quand même. Mais bon, c'est très bien. Hein. Parce que bon, les boîtes Tic Tac, les vrais Tic Tac sont un peu plus grandes, hein, je crois. Je sais plus, j'ai une boîte de Tic Tac dans mon sac à main tout le temps. Il faudrait que je regarde. Voilà. Donc je pensais qu'elles étaient un tout petit peu plus grandes, mais bon, donc et puis 64 ça suffit pas hein, bien sûr, donc je pensais qu'elles étaient un tout petit peu plus grandes, mais bon, ça ira pour l'instant. Donc je vais m'en servir quand même peut-être pour l'instant pour faire ma réserve de perles, parce que pour l'instant tout est dans des sachets, dans une boîte en vrac. Et je pense que ce serait plus facile à retrouver, plus propre aussi. Mais je garderai les deux systèmes.
puisque je ne saurais pas mettre tout là-dedans. Mettre ma première réserve, une première réserve là-dedans. Si les boîtes sont pleines, garder le reste en sachet, sous, en réserve. Voilà. Et bon. Mais sinon, c'est nickel. Hein. Alors, j'ai regardé, toutes les boîtes sont... Rien n'est abîmé. Voilà, donc c'est ferme comme ça. Vous pouvez la tenir avec la petite poignée. Vous voyez, il n'y a pas de... Il n'y a rien d'abîmé. Donc, vous avez juste... Alors, je trouve juste les étiquettes un peu grandes. Donc, vous pouvez vous en servir, mais à moitié. Voilà, vous coupez la moitié et vous mettez votre chiffre. Parce que comme les boîtes, je vais en prendre une. Ah, voilà. Oui, elle s'ouvre comme ça. L'étiquette fait, si vous la mettez, là, elle va se plier. Donc, ça, donc vous prenez que la moitié de l'étiquette et vous la mettez là. Vous voyez, ici, sur le rebord là. Voilà. Donc, je vais faire une réserve là-dedans. Et après, bon, il me fera d'autres boîtes. Donc, parce que là, 64, des références, il y en a plus de 500. Je ne sais plus combien. Il faudrait que je regarde exactement avec mon nuancier. Il y a quand même plus de 500 nuanciers. Donc, bon, des boîtes, il en faudrait... Oui, il faudrait une dizaine. Hein. Mais bon, de toute façon, on n'a pas les 500 références en réserve. C'est pas possible. Donc, voilà. Moi, voilà pourquoi j'ai choisi ça. Maintenant, je verrai. Peut-être que je ne m'en servirai pas pour ça. Peut-être que je vais m'en servir pour un kit. Ou... On verra. Bon, je vais remettre les étiquettes dedans. Mais sinon, bon, il est nickel. Voilà. Voilà, je voulais voir ce que ça donne. J'ai vu. Il est nickel. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, ça, c'est, je vous disais, ça vient de la boutique Urbestil. Deal, voilà. Désolée, c'est un nom un peu compliqué à dire. Donc, je remercie beaucoup cette boutique. Donc, moi, comme d'habitude, je cherche mes mots. Comme d'habitude, je vais vous mettre en barre d'infos tous les liens nécessaires pour retrouver les kits, la boîte, la boutique. N'hésitez pas à aller faire un tour, voir ce qui peut vous plaire. Faites ce que vous voulez, hein. Ça ne me rapporte rien, moi. Et puis, on va se retrouver rapidement parce que j'ai un autre unboxing à me faire. Avec une autre boutique, mais là qu'on connaît déjà. Mais avec ce unboxing là, j'ai une petite surprise à vous faire. Donc j'attends quelques jours pour vous le faire. Et là, on va se retrouver donc très. Et ben voilà. Je sais pas, pour la vidéo, j'étais là. Et vous avez vu, je me suis. Mon fauteuil, ça baisse tout seul. Ouh, c'est mignon. Alors que je demande à mon mari ou à mon fils. Voilà. Voilà. En début de vidéo, j'étais là. Et à la fin, je suis là. Mais là, ce siège. Putain, il n'est pas vieux. Hein. Il n'y a pas longtemps que je l'ai. Enfin, si, ça fait 2 ans. Mais bon, il est nickel. Il n'est pas abîmé. Pourquoi je m'abaisse? Pourquoi il s'abaisse tout seul, ce fauteuil? Bon, allez. Je vous laisse pour aujourd'hui. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un bon dimanche. Et mangez pas toute la galette. Allez, à bientôt. Gros bisous.